Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, présentation du numéro 2 de cette Citroën C4 WRC de 2008 de Sébastien Loeb à l'échelle 1/8 de chez Altaïr. Encore Altaïr, évidemment. Bon, c'est pas grave. Alors aujourd'hui, encore une très belle pièce, puisque je pense que ça va parler de, comme vous le savez tous, de la jupe de la voiture. Jupe avant. Donc on regarde un petit peu ce qu'il y a dans le fascicule, hein, et puis on passera au montage. Hein. Sébastien Loeb, le meilleur, tout simplement. Voilà, assis sur le capot. Ça c'est, oui, c'est l'autre, c'est après 2011 je crois. Là on a Citroën compétition personnage, voilà, deux voitures de rallye. Là on a Sébastien Loeb, tout simplement. Bon voilà, c'est toujours pareil, c'est le même reportage. Sébastien Loeb et Daniel Elena ont répété à 79 reprises à la célébration d'une victoire en championnat du monde des rallyes. Alors là, on arrive sur les pièces. La jupe avant. Voilà, quand vous voyez là, mais je pense que voilà, y a le beau morceau. Il y a le bon morceau avec toutes les petites pièces de la vis CM, de la vis BM. Donc là, on arrive sur le pas à pas. Bon, il faudra que je pense à ne pas oublier des vis comme la dernière fois. Voilà. Parce que la dernière fois, j'ai oublié deux vis sous le capot. Donc, 6. 7, 8, 9, 10, 10 étapes. Et voilà, et on aura le résultat final. Et le résultat où se trouve, bien sûr, l'affaire. Voilà. Donc, c'est tout pour le fascicule. On a une très belle image encore ici, derrière. Et bien, on va passer de suite au montage. Pour le montage, et bien on récupère la belle pièce d'entrée. Voilà. Alors là, sur celle-là, j'ai rien à redire. Sur l'autre, j'avais des. Sur le capot, je vous ferai voir, j'avais des traces blanches au niveau des décals. Sur celle-là, c'est vraiment nickel. C'est nickel chrome, même, je dirais. Donc on récupère cette pièce, on la retourne, c'est pour ça qu'il y a la petite chiffrette. Voilà. On récupère ensuite cette grille où il y a marqué sport. On la met un petit peu en forme pour qu'elle suive bien. La structure qui est incurvée, je pense que c'est incurvera de la même, mais je ne suis pas sûr. Voilà, donc on vient la mettre à son emplacement. Je pense que oui, ça s'incurvera quand même tout seul. Voilà, je pense que ça se mettra un petit peu place quand on serrera avec les vis. Donc ensuite on récupère ces deux pièces. Alors, ces deux pièces, elles sont marquées, l'une de L, un petit L là qui est là, et l'autre de R. Voilà, donc on va les mettre en place à leur position qui est ici.
et l'autre de l'autre côté. Et on va maintenir ça. On va maintenir ça, on va maintenir ça avec de la vis CM. Donc 3 ici, 3 ici. Voilà. Alors on reste ici et on prend aussi le logo Citroën. Citroën sur la grille. On vient le positionner ici. Voilà. On récupère ensuite ces deux pièces qui sont marquées aussi de R et de L, donc normalement elles ont des positionnements. Voilà. Il y a, ça fait une toute petite pente ici, et la pente elle vient vers la grille. La pente vers la grille, et alors quand on va serrer, ça va maintenir bien comme il faut la grille. Et on maintient ça aussi avec de la vis CM. Voilà. Mais voilà, on a nos deux grilles de mise en place. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Bon, je crois que c'est la petite étoilette là qui s'est barrée. Je commence à bien mal. Ah ben lui, tiens pas. Bon. À remettre. Voilà, le petit titulette qui est là, et c'est vrai. Voilà, bon. Ça, c'était pour la grille. Qu'est-ce qu'il y a? Ensuite, eh bien, ici et ici, on va mettre nos deux pièces, c'est ce qui tiendra, je pense, la jupe en place après. Non, d'abord aussi, non, d'abord on a celle-là à mettre. Celle-là, c'est celle. Bon, je vais essayer de zoomer un peu plus. Voilà, j'ai cette pièce ici. Il faut qu'on mette. Alors, il y a deux flèches. Deux flèches. Pour moi, les deux flèches vont vers le haut, mais bon, pas sûr. C'est pas dit. Je sais pas si ça va vers le haut ou vers le bas. Ça, par contre, ce n'est pas du tout expliqué. Donc, pour moi, je vais les mettre vers le haut. On verra bien plus tard. Les mettre vers le haut et on va tenir cette pièce avec de vis CM aussi, hein. Voilà pour cette pièce. Et bien ensuite on te saisira. Et un mot qui doit venir ici. Ça doit correspondre à peu près à ça pour pouvoir maintenir la jupe. On en met un là. Encore de vis CM, je suppose.
de huissier aussi. Ensuite, on tourne à la page, niveau d'image. On récupère cette pièce-ci qui est la tâche de remorquage. Tâche de remorquage. On voit qu'il y a une toute petite fente, donc du coup, on vient rentrer le plus long bout vers l'extérieur. Et on vient y mettre une vis aussi. Une vis. Bon, CM, pourquoi pas. Voilà, on a la tâche de remorquage qui sort là. Ça, c'était pour la tâche de remorquage. Ensuite, on récupère les deux pièces avec notre deuxième insigne qui fait partie du logo de Citroën. Et on vient juste la graffer sur à son emplacement. Bon, dégrappage assez, pas trop ça encore. On dirait rien. Voilà. Et on vient le mettre à sa place. Place qui est là devant. Maintenant avec, je crois que c'est de vis BM. Et oui, c'est de la BM. Et non, pourtant, c'est une Citroën, c'est pas une BM. Voilà. Bon, en attendant, bon, il faudrait que je remette un petit point de colle là-dessus. Voilà, j'ai remis un petit point de colle là-dedans, j'ai remis dedans à sa place. On va regarder un petit peu ce que ça donne. Alors voilà, mis à part ces traces blanches là qui sont un peu partout sur les décales, on a vraiment un petit peu. Vraiment. Alors, je pense une belle affaire. Être un petit peu comme ça. Alors, je me mets dans cette position là. Voilà. Alors, vraiment quelque chose de pas mal, un peu joli. Et vraiment, les couleurs se marient bien. Voilà. En attendant mon numéro 3, et je vous donne rendez-vous dans d'autres vidéos, puisque le numéro 2, on a fini avec le numéro 2. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine fois, pour un prochain montage. En attendant, je vous dis, si on va le mettre comme ça, mais les voir. Voilà, les deux premiers numéros de cette C4 Citroën. Cette C4 WRC de Sébastien Loba. En attendant, portez-vous bien et allez. Salut !